là, globalement, dans ces grands transports, dans la sécurité, tout ça, c'est la vie. Dans nos secteurs populaires, nos organisations, dans le secteur populaire qui a bataille pour l'autre Haïti, nous dit bienvenue dans la presse. Et nous avons comme objectif de nous dire, pour nous faire un petit coup de conjoncture sur l'insécurité, kidnapping, violence que le peuple subit, et sous absence de gouvernance qui est dans le pays, pour essayer de prendre des cafés de fer, c'est pour dire qu'il est pays bloqué, bloqué, et tout le monde pense que c'est normal. C'est un bandit, ben, l'autre pays bloqué, pays débloqué, l'autre là-dedans, donc c'est normal, tellement de situations, il y a tellement grave. Et tout, ça veut dire que il y a une grande nécessité, il y a une autre équipe gouvernementale de rupture qui fait que nous sommes tous les pays là, les pays là, dans des zones, dans la tribaille, il y a là. Et pour une équipe gouvernementale qui est capable de porter des solutions, il y a des critères qui doivent respecter dans le choix de monde qui font partie de l'équipe là. Et il y a un programme clair qui est gagné. Nous avons fait pour aider pays à sortir pour les pays là. Et pour arriver là, il faut que tout acteur qui est concerné, qui doit porter une contribution, porte la présentation, porte. Et nous-mêmes, comme secteur syndical, secteur populaire, nous avons dit en présentation pour nous porter la contribution nous dans la grande mobilisation citoyenne qui a démarré. Pour accompagner l'Afrique de Slavakouchi à Rapide, entrer en négociation avec acteurs qui sont en négociation, Rapide bon pour sortir de côté là. Et ça, ce n'est pas dans 3-4 semaines, c'est Rapide bon pour sa fête et bien fait. Ça, nous remarquons que, avec 10 ans, règne bandit légal, le pays a pris un coupe des sommes qui va qui bat jambre. Côté. Insécurité, vindadi, aptaïbanda, kidnapping, vina fête avec aisance, et côté population victime, on sait de violence, de viol, côté pays pas gouverné, Jean et Doval, c'était dit là. Et par rapport à ça, par rapport à ces conséquences, nous tous, qui avons subi, nous devons les décamper. Pour que nous une nouvelle équipe gouvernementale qui assurait une véritable création de rupture, qui fait des bases, nous sommes économiques là, pour suivre notre Haïti qui peut pas bonner. Et pour Dadi, nous avons trouvé un nom qui va à Boulogne, parce que c'est des critères qui respectent dans le choix du monde, de prendre tel pays. Et parmi les critères, il y a un, il faut que le monde qui a vu dans une nouvelle équipe là, c'est des gens qui crédit, qui clair. Donc c'est des gens qui nous font confiance. C'est des gens qui ont un mauvais passé. C'est des gens qui symbolisent la rupture. Donc c'est des gens qui ne sont pas impliqués dans aucun mauvais acte. Mais pour tous les gens, volant la vérité, participer dans un massacre de la population, je sais pas, depuis quelques années là. Donc c'est des gens qui montrent. Mais pour ces positions publiques, qu'elle a intérêt dans le pays et qu'elle a servi effectivement le pays, parce que ce n'est pas un job de travail de position comme cela, c'est un service que le citoyen de bonne volonté a porté. Pendant que l'IA joué a dit au salaire, mais ce n'est pas salaire à qui côté, c'est qui s'est porté comme contribution pour les pays sortis là. C'est pour ça que vous avez des jobs, vous avez des ICE engagés, responsables, qui ont fait qu'ils sont là. Faut que avec l'équipe gouvernementale là, ce n'est pas des tchoules blancs, des conseils qui travaillent dans l'intérêt et la puissance de la mission, mais qui est l'autre contre l'intérêt de la PIA. Nous sommes un qui dit que il fait 25 ans à ce intérêt de la PIA, mais qui est contre l'intérêt de la PIA. Donc, des gens comme ça, pas qu'à venir dans la nouvelle équipe gouvernementale de transition, rupture de la PIA, parce que c'est des tchoules blancs qui ont contribué avec la PIA à côté de la PIA, parce que blancs. Jouer un rôle actif dans le bas et pour les transformer en gang, si le peuple qui est ingénieur, médecin, journaliste, tout le bagage, si il y a un encadrement correct, il a dit, et pris
dans griffe mafia nationale et internationale là. Faut monde cabine dans direction pays là, c'est des monde qui pas toujours actif dans équipe gouvernement qui casse pays là, qui pays à côté là. Faut enfin monde ça ta bounyo cabine dans pays là, c'est pas des bandits à col, la bande illégale. Ouais, 10 ans, règle bandit légal là, côté de la genou, pour qu'on permette nous. Il a dit quitter, c'est bandit à col, bandit légal, qui dit souvent, qui peut être payé, ou des noms, ou ça se dit pas encore. Et, dernier bagaille, faut qu'on s'aille qualifié, comme compétent, comme responsable, pour qu'on ait le devoir des résultats. Vous êtes ministre, premier ministre, président, secrétaire d'État, secrétaire général, qui va travailler, résultat, mais que Bagdel. Et pour la soirée de vigilance pour surveiller qui est qui vient fou comme pour que la boule de goût. Donc, parce que critère ça, c'est un quelque qui doit respecter dans le cadre choix, monde qui fait partie de l'équipe gouvernementale. Qui job qui fait de route, qui doit poursuivre comme nouvelle équipe gouvernementale de transition. Un, il doit permettre paysan reprendre le monde. Reprendre la souveraineté nationale qui a dit le marché sous lui, la dignité. Deux, lui résoudre. Il faut résoudre le problème insécurité qui est là. Et vous avez fait, il faut garder, réformer la justice, réformer la police, et de la police, et des gens qui ne sont pas qui mais c'est des gens, des haïtiens, qui sont capables d'aider. Pour les solutions et les mesures sociales qui permettent que Dadi yo encadré le peuple là que yo lagué et que blanc mafia nationalité là pour tomber en gang. Faut et nouvelle équipe ça réorganiser le budget pays là dans le sens besoin réel peuple là. Si on peut dire là, on peut dire fait suivant besoin du peuple là, soit réponse. Qui le poté a besoin et fondamental pour le peuple agréé. Ce logement, ce l'école, ce santé, etc. Il faut un budget qui réorganise le sens pour des réponses à problème peuple là. Troisièmement, il faut assainir l'administration publique là, qu'est-ce publique là, et pour mettre que l'État efficace. Il faut qu'un audit général d'État audit dans toute administration publique là, dans toute institution. L'État, etc., il faut qu'il y ait un audit général qui fait de manière pour voir qui est-ce qui est à côté, qui est-ce qui est à l'or, qui est-ce qui est à fond, pour que le code Galagou, le monde qui fait ça, qui est dans l'administration publique de l'État, faut qu'il y ait une réforme globale de l'éducation, pour que nos éducations qui ont formé des citoyens, qui ont formé des zombies, qui ont formé des causés, qui ont formé des citoyens qui ont une histoire et qui ont dit ancré dans la culture. Il faut qu'on réforme fiscale pour élargir à cette fiscale là pour que l'État qui a des moyens pour être dans le service. Faut réforme ça veut que 60% taxes qui va rentrer, qui va rentrer, pour la moyenne, pour être à tel point de réforme économique mondiale. Il faut que nous-mêmes, avec les ressources pays, nous sommes capables d'organiser la question fiscale en façon pour que, comme la rentrer correctement. Et faut gagner au véritable décentralisation qui fait pour sortir de la rue. Yo dit yo pas faire mobilisation pour manifestation pour grévesse. Yo voulait son bon opération pour qui fait. Parce que ça nous vient là son cancer. Nous pas cap traiter avec aspirine. Nous pas cap traiter avec tétracycline. C'est bon opération lié. Ça fait nous un pile mal pour nous et anciens amis, nous anciens membres de l'opposition, Albaï Mateli avec Kaplim Tete, dans Ariel. Albaï Mateli, Ariel, Tete, ambassade américaine Tete, Léa Ariel. Et Ariel, mettre ce Mateli avec Kaplim. Oui, nous comprenons la mobilisation, ils font un camper. Mais pas camper, ils vont déraper. Ils font un ralenti. Moun nan katye mobile yo apre tan akon Montana. Tan koute sèche, kap tan bon la pli. Paske yo di se sel akon Montana ki ka fè yo toune nan katye mobile yo. Kote nan Bel Air, nan la Saline, nan Fortouron, nan la Fossette, nan tout kote kte gen masak yo, yo apre tan akon Montana.
Et on dit c'est à Komontana pour faire près la rue. Et on dit à Komontana, faut pas trop long. Parce que le momentum politique là, on lève, on va avancer. Parce que on était trop la caillou. Parce que c'est goumé ou pas goumé. Il n'y a pas qu'à arrêter la caillou encore. Il veut près la rue, il veut faire mobilisation. Mais il faut faire un bagage dans le milieu. Parce qu'à chaque fois que nous sortons, nous disons à bas. Mais nous voulons sortir. Secteur démocratique là, secteur populaire, secteur syndical là, yo dit Montana, yo pas le 1er décembre pour la coucher, ça la va coucher là, parce que nous pas capable encore, nous pas capable de supporter Ariel, nous pas capable de supporter groupe Kajouan Ariel, yo qui était avec nos comportements, et nous pas capable de supporter ce PHTK, PHTK qui a fait opposition. Vraie opposition, c'est dans un accord allié. Et nous voulons changer ça. Et nous avons dit, il n'y a pas d'apaisement. Nous avons dit transition de rupture. Et ça, fois là, oui, à jour aujourd'hui, pour le 18 novembre, pas de mobilisation, parce que nous n'avons pas encore à Komontana accoucher ça pour l'accoucher. Tout le monde à 4 août, là, 4e mobile, nous n'avons pas de temps. Fais presser, presser, parce que faut que nous déployons force, nous pas qu'à sortir pour sortir. Faut sortir pour nous changer ça. Parce que qui voit plusieurs fois nous sortir, oui nous sortir. Mais nous pas arriver à changer ça. Mais nous jouons à finir, tout le monde a gonflé force pour nous changer ça. En bien à partir de 1er décembre, tout quartier populaire entre dans la concertation pour avoir une réponse à Komontana. Pour le résultat là-bas et pour installer le président. Mais c'est Jean-Baptiste Melson, porte-parole victime, massacre d'État dans le quartier populaire.